Cet audio a pour but de permettre aux personnes d'accueillir leurs émotions. Prenez une grande inspiration et pendant quelques secondes et quelques minutes, vous allez simplement faire comme si tout ce que vous désirez à l'intérieur de vous pouvait s'exprimer, pouvait simplement mettre en place un ensemble de choses belles, bonnes, justes et positives pour vous dans le but de mieux communiquer avec vos émotions. Imaginez simplement que vous êtes de plus en plus en écoute de votre corps. Vous pouvez même imaginer pendant quelques instants que votre cœur vous parle. Imaginez chaque battement comme un chuchotement, voire peut-être vous pouvez entendre quelques mots, quelques sensations, quelques perceptions. Vous allez imaginer que vous vous laissez embarquer. Embarqué par vous-même, embarqué par votre envie de découvrir encore et davantage ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire. Alors, vous allez voir, percevoir, imaginer ou construire une belle et douce sensation qui va vous éveiller, vous élever. Imaginez une sensation qui, comme une caresse, comme un instant vraiment agréable pour vous vous élève. Imaginez vous élever de plus en plus haut dans cette pièce, dans ce lieu dans lequel vous vous trouvez. Vous laissez de plus en plus tout ce qui peut être sensation désagréable filer loin. Vous laissez emporter dans cette légèreté qui continue, minute après minute, à grandir. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que d'ici quelques secondes, c'est comme si des secondes s'étaient transformées en minutes, et que ces minutes, peut-être même pour vous à cet instant, pourraient devenir quelques heures. L'important, simplement, c'est que vous vous laissiez aller vers cette légèreté qui va vous emmener vers beaucoup plus de bien-être. Un bien-être qui va se développer et se diffuser à l'intérieur de vous. D'ailleurs, vous pouvez percevoir, imaginer et même entreapercevoir que tout en bas, il y a votre être, votre corps, votre pensée de l'instant qui semble apaisé. Et dans cet apaisement, vous allez simplement encore continuer à vous alléger, à monter, à monter, à monter de plus en plus haut vers quelque chose de vraiment bon, tout en restant parfaitement connecté à vous-même. Vous êtes en train de rentrer en communication avec une force. On peut l'appeler une force, une lumière ou une sensation, une perception, voire même un son. Le plus important est simplement de le formaliser, chacun à sa manière et juste pour réussir dans les secondes et les minutes à venir à l'accueillir. Parce que cette forme peut être étrange, peut être parfois même différente de ce que l'on peut attendre. C'est comme ces émotions qui souvent vont, viennent à l'intérieur de vous et vous ne savez qu'en faire, vous ne savez si elles vous appartiennent ou si elles sont à autrui. Vous ne savez pas s'il faut les regarder, les observer ou les cueillir. Vous ne savez si vous devez vous laisser emporté par elle ou simplement surfer dessus. À aucun moment, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez peut-être eu cette rencontre avec ce tout, cette facette de vous, cet éveil élevé que vous mettez en place petit à petit. Et dans les secondes qui suivent, vous allez simplement chercher à reconstituer ce puzzle d'émotions qui peut-être un jour dans votre vie a explosé et donc on ne vous a jamais montré la façon de le mettre en place. Vous avez laissé ces émotions disparates sur un jeu, le jeu de votre vie, l'échiquier de votre quotidien. Alors, ce que je vais vous demander simplement, c'est d'imaginer un puzzle simple, facile à mettre en place, le vôtre. Il est composé de multiples pièces et d'ailleurs, c'est vraiment une bonne chose pour vous parce que maintenant, vous allez vous rendre compte que ce puzzle représente énormément d'émotions. Énormément d'émotions belles, positives, même d'autres
émotions un peu moins agréables. Cependant, elles sont là, posées sur ce socle. Vous pouvez même imaginer un continent. Vous savez, ces continents immenses, comme le continent américain ou le continent asiatique, avec tous ces pays qui se connectent les uns avec les autres. Et c'est simplement cela qui va nous permettre de, petit à petit, à cette hauteur légère à laquelle vous vous trouvez, de se connecter complètement et pleinement à l'instant. Et à mettre en place ces émotions qui vont, petit à petit, être accueillies comme vous accueillez facilement et observez avec bienveillance la découverte d'un nouveau monde, d'un nouveau continent. Vous pouvez imaginer donc ce puzzle qui petit à petit, pièce par pièce, émotion par émotion, commence à donner forme. Forme à de nombreuses choses à l'intérieur de vous. Alors vous pouvez ressentir à cette distance de votre être, de votre corps, et pleinement à l'intérieur de lui, des sensations, des perceptions, des émotions, peut-être même des mots, des réflexions. Vous vous laissez dans tous vos sens, dans tous vos possibles, que ce soit les sensations, les émotions ou votre imagination. Vous laissez tout se connecter, s'interconnecter, se lier, comme si ces continents, qui semblaient tellement distants, commencent à pouvoir communiquer les uns avec les autres. Tout s'imbrique petit à petit. Toutes les émotions s'imbriquent à votre quotidien de manière juste et apaisée. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu des émotions qui arrivaient comme des vagues qui vous emportaient. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre à surfer sur cette vague. Vous allez simplement apprendre à accueillir cette vague et encore mieux, à la choisir. Ce n'est pas parce qu'on est sur un océan et que des vagues se préparent que nous sommes obligés de la prendre. Nous pouvons les admirer, les regarder et voir peut-être les autres la surfer, plonger dessous. Ça n'a pas d'importance parce que vous, vous commencez petit à petit à vous donner le droit de ressentir, d'observer que ce puzzle petit à petit prend forme, de plus en plus forme, comme cette vague que vous observez, vous, et que vous avez décidé maintenant d'aller surfer. Qu'importe comment vous la surfez, comment vous l'imaginez la surfer, le plus important, c'est de vous connecter à cette émotion qui grandit. Une émotion belle, bonne, saine et positive, comme les émotions que vous allez désormais accueillir de plus en plus. Et à la place de la repousser ou de se laisser embarquer et emporter complètement par cette émotion et cette vague, vous allez juste commencer à vous laisser aller. Vous allez commencer à glisser. Vous allez commencer à surfer petit à petit. Vous pouvez imaginer à votre manière, avec l'outil que vous souhaitez, que ce soit une planche de surf, un bodyboard ou qu'importe, cela peut même être un hors-bord, un bateau. Le plus important, c'est simplement que la vague devient simplement un allié. Vous vous laissez aller en accueillant la force vers laquelle vous dirige et petit à petit commencez à faire des figures, comme si votre puzzle intérieur était en train de se constituer et de vous permettre de voir la forme qu'il y a derrière toutes ces pièces disparates que vous avez pendant des années observées au loin. Là, aujourd'hui, vous vous laissez le droit de voir ce puzzle se reconstituer complètement et simplement devenir quelque chose de concret pour vous. À mesure que ce puzzle se remplit, les émotions s'emplissent également et vous accueillez la forme, l'image de ce puzzle qui est bon, juste et positif pour vous, comme vous accueillez de plus en plus les émotions. Vous apprenez à les observer, les regarder, à les accueillir, à les suivre et à jouer avec, à vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple de surfer sur la vague plutôt que de s'opposer à cette vague qui va vous emporter au loin. Alors, vous prenez de plus en plus de plaisir. D'ailleurs, vous vous laissez ce plaisir de finir petit à petit ce beau puzzle que vous avez mis en place tout au long de votre vie. Cette fois, vous le finissez pour en donner forme, pour arriver à prendre plaisir de ce que cela apporte à vous, à votre être. Au quotidien, ces émotions
vont continuer à arriver, mais de façon beaucoup moins disparate. Comme si le fait d'avoir porté et pris le temps de mettre chaque pièce au bon endroit, en accueillant à chaque instant ce que cela pouvait donner au final, quand tout était posé, quand tout était exprimé, quand tout était accueilli et accepté, alors vous allez vous sentir plus en phase avec ces émotions. Vous allez vous sentir comme sur ces vagues que parfois vous allez prendre, et parfois que vous allez simplement observer au loin ou passer dessous pour juste prendre la prochaine vague qui va vous emmener dans un plaisir vraiment agréable. Ou encore, simplement, comme si vous pouviez, à partir de maintenant, observer ce spectacle de l'œuvre que vous venez de mettre en place, de ce puzzle géant qui vous appartient, de ces mille émotions que vous avez reconstituées, que vous avez accueillies et acceptées. Cette reconstitution qui vous représente jour après jour de plus en plus. Et vous allez accueillir, accueillir, accueillir encore toutes ces sensations, toutes ces émotions. Vous allez l'accueillir avec bienveillance pour vous. Parce que vous savez que, à n'importe quel moment, cela va prendre forme comme ce puzzle. Cela va vous emporter vers de belles et bonnes choses. Parfois, peut-être après avoir été remué, comme sur une vague. Mais pour autant, vous allez apprendre à surfer avec. Vous allez, jour après jour, apprendre à glisser avec. Non pas emporter, mais non, jouer à deux. Vous, votre émotion. Pour enfin devenir un. Comme ce puzzle, comme toutes ces pièces, comme l'œuvre que cela a donnée. Alors, vous allez sentir petit à petit que vous ramenez toutes ces idées, ces émotions, ce tout à l'intérieur de vous. Vous, si léger, allégé, vous retournez petit à petit à l'intérieur de vous. Vous reconnectez à vous, à votre corps, à vos pensées et à vos émotions. Votre corps, vos émotions et vos pensées, qui petit à petit, comme une spirale à l'intérieur de vous, se reconnecte avec bonheur et plaisir, vous entraînant dans un accueil nouveau de vous, de vos émotions, de votre corps et de vos pensées, comme si tout était en train de se mettre en place pour vous, jour après jour, de mieux en mieux. Dans quelques instants, vous allez revenir dans l'ici maintenant. Je vais compter de 1 à 5 et à 5, vous ouvrirez vos yeux pleins de force, d'énergie, prêts à continuer votre journée. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, 5, vous êtes ici maintenant. Prêt à accueillir de mieux en mieux toutes vos émotions.